Bonjour à tous et bienvenue sur les Africa Talk d'Africa Mutandé. Et bienvenue chez moi, donc je suis Stéphane Héréboal, ambassadrice et secrétaire générale du sommet Afrique-France. Et avec moi, un panel de personnes extrêmement, je suis vraiment très contente d'avoir ces personnes-là, très connaisseuses de l'Afrique. Et nous allons discuter ensemble de l'impact du Covid-19, de la Covid-19, sur le regard que les pays non africains peuvent porter sur l'Afrique. Ce regard a-t-il changé depuis les 60 ans anniversaire des indépendances, ou bien cette crise a-t-elle été le révélateur des faiblesses toujours persistantes de l'Afrique? Alors autour de moi pour en parler, Cécile Duflo, ancienne ministre, bonjour, et directrice générale d'Oxfam France. Patrice Alato, députée de Seine-Saint-Denis, de La République En Marche, et comme je suis née en Seine-Saint-Denis, je suis ravie, j'y suis plus, mais ravie néanmoins d'avoir un représentant de mon département d'origine. Marie-France Réveillard, de journaliste freelance, mais notamment pour la Tribune Afrique, entre autres. Ici à ma gauche, Bruno Mettling, président d'Orange Afrique. Et puis enfin, Kako, qui est là, alors je vais essayer de le prononcer correctement, Nabucco, ancien ministre, économiste togolais, auteur d'un livre, L'urgence africaine, et pour Bruno Mettling, auteur d'un livre, Booming Africa, qui va se révéler extrêmement pertinent dans l'Afrique d'aujourd'hui, cette Afrique digitale. Alors pourquoi on a décidé de ce sujet? C'est qu'en fait cette crise sanitaire qui a touché le monde entier a touché également l'Afrique, mais d'une manière qui peut-être a étonné les pronostics du début. Et depuis le début de cette épidémie, des milliers d'articles ont été écrits sur l'Afrique. Les premiers très catastrophistes, c'est l'Afrique va subir des pertes en milliers, en millions de personnes. Vera Songwe de l'Union africaine avait déjà dit 3 millions. Antonio Guterres avait un pronostic également très négatif. Il y avait le président de l'OMS qui a dit aux États africains, réveillez-vous, l'épidémie va toucher le continent. Et puis ensuite, tout autant d'articles plus optimistes qui parlent de l'Afrique résiliente, celle qui fait face à l'épidémie, une Afrique jeune et riche de sa jeunesse, une Afrique connectée qui utilise le numérique pour faire face à la crise, et aussi une Afrique qui a produit ses propres tests, notamment à l'Institut Pasteur de Dakar, qui a fabriqué très vite des masques avec l'agilité qu'on connaît à l'Afrique, que je connais à l'Afrique personnellement. Et donc voilà un petit peu le portrait que je voulais dresser en quelques minutes avant de vous laisser intervenir sur ce sujet. Cette Afrique a-t-elle étonné le monde? Donc ma première question, je me suis dit que j'allais parler des réactions internationales, qui étaient plutôt sur le thème « il faut être au chevet de l'Afrique, il faut aider l'Afrique » avec ses pronostics tous plus négatifs les uns que les autres. L'épidémie va frapper l'Afrique, notamment du fait de la faiblesse des systèmes de santé, qui était vraiment la première inquiétude. Mais finalement, ces réactions internationales vous ont-elles étonné? Sont-elles finalement en ligne avec les véritables faiblesses du continent africain? Y avait-il une part de vérité dans ces premiers diagnostics, malgré le fait qu'aujourd'hui, pour le moment, et on espère que ça va continuer, l'épidémie ne fait pas comme ça de ravages, Dieu merci, en Afrique. Et pour réagir premièrement, je vais passer la parole à Kako. Oui, vous avez raison. Moi, dès le mois de mars, j'ai fait une tribune dans Jeune Afrique intitulée « Et si le coronavirus était une chance pour l'Afrique ?» Parce que j'observais déjà un pessimisme ambiant exagéré autour de l'Afrique. Ensuite, avec des collègues, nous avons initié l'appel des intellectuels africains, une cinquantaine, intellectuels, chercheurs, artistes, autour de l'idée qu'il fallait sortir plus fort encore, plus fort ensemble de cette crise, ce que nous avons appelé l'Afrique d'après. Et l'idée, c'est justement de faire la part des choses entre le réel et la perception du réel. Et effectivement, au niveau du réel, il est évident que cette crise révèle les angles morts du développement africain, notamment les questions de santé, d'éducation. On ne peut pas le nier. Mais il n'y a pas que cette Afrique-là. Il y a une Afrique dynamique qui prend des mesures et qui a montré justement sa capacité à être réactive par rapport à la crise. Donc la réaction ne vous a pas étonné parce qu'il y a des faiblesses et donc c'est ça qu'on a mis en avant, mais un petit peu peut-être déçu que cette autre Afrique-là, celle qui sait se prendre en main, n'ait pas forcément été révélée dans ses premières réactions.
Et donc, pour rebondir, peut-être, Cécile, directrice d'Oxfam France, donc en particulier active sur l'Afrique, est-ce que ces réactions-là, et aussi du monde politique, donc vraiment avec cette vision-là, est-ce que ces réactions étaient étonnantes ou elles étaient finalement totalement prévisibles ? Ben, je pense, d'abord, il y avait effectivement une interrogation sur quelle allait être l'ampleur de la situation sanitaire. S'inquiéter d'une absence de système de santé robuste, c'est simplement faire face à la réalité. Quand on regarde les statistiques en nombre de médecins par habitant, les différences entre l'Europe et l'Afrique et certains pays africains, et notamment la zone sahélienne, sont abyssales. Donc cette inquiétude, elle était légitime. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas confondre une vision misérabiliste sur plomb de bande, qu'on peut parfois entendre, et l'absence de solidarité. Parce qu'en fait, être aux côtés et travailler avec l'Afrique, c'est dans une relation égalitaire. Et dans cette logique-là, alors on peut discuter du terme, mais l'aide et l'obligation qu'on s'impose, qui est une forme de solidarité historique aussi, de réparation, parce que cette histoire entre les pays du Nord et les pays d'Afrique, elle mérite, et on le voit plus que jamais aujourd'hui, d'être réinterrogée. Donc l'acte de solidarité, c'est justement de dire, nous pouvons apporter un certain nombre d'aides, mais prenez-la en charge. Parce qu'effectivement, ne pas considérer que les Africains sont incapables de gérer eux-mêmes ces questions de prévention. Et vous avez très très justement évoqué la réaction face à l'épidémie. En fait, ce sont souvent des populations bien plus préparées, bien plus inventives, bien plus réactives face aux épidémies que nos populations qui ont été dans le déni, les populations européennes dont on a vu, alors qu'on annonçait le confinement, sortir en disant c'est notre dernière soirée, etc. Des réactions qui étaient un peu absurdes, qu'on n'a pas vues. On sait très bien que face à Ebola ou face au choléra, il y a eu des réactions de la part de certaines populations, d'autoconfinement, de gestion par les communautés elles-mêmes. Il y a plein d'initiatives à la fois qui mêlent les questions de nouvelles technologies, mais aussi la question de la citoyenneté de la jeunesse. Et effectivement, l'Afrique a en réserve tout ce qu'il faut pour faire face à la fois à une crise comme celle-là, mais surtout, et là je rejoins beaucoup ce que vous avez dit, comment on pense la suite ? Est-ce que le modèle de développement, c'est celui qui a été extrêmement fragilisé par la crise, c'est celui-là qu'on veut voir se développer en Afrique, ou est-ce que l'Afrique a son propre chemin à trouver, un chemin basé sur ses biens communs, sur un vrai développement qui aussi prend compte les conséquences de la catastrophe climatique en cours? Évidemment, c'est ce chemin qu'il faut prendre, et pour ça, il faut faire confiance aux sociétés civiles africaines, il faut faire confiance aux populations, il faut faire confiance aux citoyens, mais il ne faut pas s'exonérer de la solidarité. Donc c'est ce chemin-là qui me semble important de tracer pour la suite. Alors les États africains ont tout de suite réagi, peut-être aussi parce qu'il y a un effet retard, et que nous aussi on a appris des pays asiatiques et de leur gestion en Europe, d'ailleurs avec plus ou moins de politiques différentes. Et l'Afrique ayant été touchée en dernier, elle a appris très vite que confinement, gestes barrières étaient les réponses. Donc ces États africains ont réagi, ils ont fait face, comme on le disait, à d'autres épidémies, ils sont quand même familiers d'épidémies autrement plus meurtrières comme Ebola, les fièvres hémorragiques de manière générale, sans parler du paludisme, la tuberculose, les hépatites et j'en passe. Alors la réaction de vous Bruno sur ces réactions d'États africains, est-ce que pourquoi on a été étonné, pourquoi on a pu même penser un seul instant qu'ils n'étaient pas en mesure de faire face avec des mesures préventives à ce qui allait arriver? On sous-estime à mon avis l'ampleur de la transformation de ce continent que les pays africains ont connu. On ne va pas tout citer, mais il y en a une qui est manifeste par exemple. Aujourd'hui il y a 1 milliard d'Africains qui ont accès à un mobile. Je ne vais pas dire un smartphone, mais sur internet, mais qui ont accès à un mobile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une capacité de diffusion immédiate de messages sanitaires, de pédagogie, en proximité, y compris dans les zones rurales les plus éloignées du cœur des villes, qui permet évidemment d'apporter des éléments et de développer des politiques de prévention aux États, et on a massivement développé les opérateurs de télévision, qui permet de développer ce soutien, ce support, ces conseils. Ça, c'est le premier élément. Il est temps de regarder l'ampleur des changements que l'Afrique connaît, y compris par rapport à un déficit d'infrastructures physique lié à son histoire, l'impact extraordinaire que le numérique peut apporter et qu'on... Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'Afrique apprend. Elle apprend effectivement, y compris de ses pandémies précédentes, y compris, j'allais dire, des enjeux. Et là, ce que disait Cécile est très juste. La logique, j'allais dire, de fonctionnement des communautés, cette logique de proximité, de solidarité, fonctionne par ces événements comme cela. Donc voilà, pour tous ceux qui sont vraiment implantés, pour tous ceux qui ont fait confiance, pour ceux qui travaillent depuis de nombreuses années, qu'on soit dans le secteur privé, ou qu'on soit dans le secteur public, on n'est pas surpris, j'allais dire, de cette résilience de l'Afrique. Et puis il y a deux caractéristiques assez évidentes de cette maladie qui vont faire, par exemple, que Ali Mendiag, le patron d'Orange, le nouveau patron d'Orange,
a tout de suite dit, quand il a été interrogé, un peu comme vous, hein, sur dans Jeune Afrique, il a dit deux choses importantes. Il a dit, un, j'observe que les phénomènes aggravants, c'est l'âge, et l'obésité. Pardonnez-moi, ce n'est pas deux caractéristiques des populations africaines. Donc il y a aussi une difficulté à prendre l'Afrique telle qu'elle est, ce regard qui faisait effectivement qu'on pouvait être assez confiant et sur la capacité de la réponse. En même temps, ne nous leurrons pas, il faut rester un petit peu prudent, la déficit du réseau de santé est ce qu'il est, et c'est pour ça que la solidarité dont parlait Cécile est si importante. Alors moi, un déficit d'image dans ces cas-là, est-ce que ça passe pas par les médias? Comment se fait-il, Marie-France, que cette Afrique donne une image dégradée au badaud, je dirais, à ceux qui ne sont pas comme nous, qui travaillent depuis longtemps sur l'Afrique et connaissent bien le continent? On voit ces transformations, on les voit en direct. Alors, je vois la jeunesse, entre, voilà, mais comment se fait-il? Est-ce que c'est au travers des médias que ça passerait, ce changement d'image? Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'explication, mais effectivement, souvent, l'actualité africaine qui est diffusée à l'international, elle vient des pays occidentaux. Pour l'Afrique francophone, c'est la France. Et on ne regarde pas assez ce qui se dit dans les médias locaux. Alors évidemment, entre quelqu'un qui vit à Paris, même quelqu'un de la diaspora comme moi, ou alors un Français d'origine française et qui a une faible expérience, c'est sûr qu'il ne va pas avoir la même précision dans l'analyse de ce qui se passe sur le terrain. Après, il y a plusieurs Afriques. Donc c'est toujours difficile de parler de l'Afrique en général. Le Kenya, c'est un pays extrêmement dynamique, avec une jeunesse très très créative, et où il y a beaucoup de solutions qui se sont développées, notamment en termes numériques. Ils ont construit des respirateurs, ils ont construit des visières. Enfin, dans toute l'Afrique anglophone, il y a eu quand même des innovations importantes. Il y a eu Donc je pense que cette Afrique-là du Rwanda, où on a carrément fait appel à des humanoïdes pour essayer de diminuer les contacts entre le personnel soignant et les malades, ouais, on l'a vu. Ça prouve qu'il y a quand même, les Africains en tout cas de cette partie australe, ont des outils pour répondre efficacement à la pandémie. Maintenant c'est moins vrai en Afrique de l'Ouest, où il y a deux ou trois respirateurs par pays, là c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant quand on parle de résilience, peut-être qu'il est un petit peu tôt encore, parce que en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui, en ce moment, là, depuis quelques jours, que les cas commencent à augmenter. Donc je pense qu'il faudra être très vigilant dans les 2, 3, 4 semaines à venir par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour avoir une image positive de l'Afrique, il faut des médias africains forts. Il faut que l'Afrique ait une voix à l'international, parce que le monde s'occupe des affaires de l'Afrique, mais l'Afrique, c'est comme si elle n'avait pas le droit de s'occuper des affaires du monde. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Et qui doit évoluer. Absolument. Et ça me fait penser, effectivement, quand j'étais ambassadrice en Ouganda, j'avais fait un débat d'idées sur la géopolitique mondiale auprès des étudiants. Parce qu'il est très important que les étudiants, donc la jeunesse, aient une pensée globale sur ce qui se passe du Brésil à la Corée du Nord. Et ce n'est pas l'apanage des pays occidentaux qui, depuis beaucoup plus longtemps, se préoccupent des affaires mondiales par les médias qui présentent l'ensemble. Et enfin, les Ougandais étaient très préoccupés par l'Ouganda, par l'Afrique de l'Est, mais alors au-delà, ça leur semblait trop loin. Et cet intérêt géopolitique des jeunesses, que moi j'avais trouvé en Ouganda, dès qu'on leur mettait ça sur la table, que pensez-vous de la présence de Trump, de Poutine, de Jair Bolsonaro, etc. Tout de suite, ils avaient envie de se positionner là-dessus. Alors quand on a eu cette crise, on a eu alors vraiment un déferlement d'initiatives diverses et variées. Des livraisons de matériel, la venue de médecins étrangers, on a eu la diplomatie du masque à la chinoise avec Jack Ma d'Alibaba, ou de plus Alibaba, ou est-ce que c'est la Chine ou pas la Chine, jusqu'au moratoire sur les dettes africaines. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces dispositifs? Est-ce qu'ils sont pertinents ou pas pertinents, Patrice? Alors, bon, je pourrais dire que la pertinence de toutes les mesures qui ont été prises en Afrique pour faire face à l'épidémie, a varié selon les moyens des pays. On peut voir par exemple le Sénégal qui a déployé plus de mesures pour accompagner même des initiatives privées en termes de fabrication de masques. Dans d'autres pays, ça a été plutôt des mesures fiscales d'accompagnement des entrepreneurs. Mais ce qui a été remarquable, c'est que très vite, les Africains
ont saisi la gravité de la situation et donc ont pris les mesures nécessaires, les mesures barrières, la fermeture de frontières, l'interdiction de rassemblement, des couvre-feux ou confinement, ce qui a permis déjà de résister à cette propagation de l'épidémie. Il faut remarquer que l'Afrique a toujours été très présent en termes de résistance, de résilience et je dirais même de renaissance, dans le sens où, à travers l'histoire de l'Afrique, à travers les épidémies qu'on a évoquées tout à l'heure, Ebola et autres, les Africains ont toujours pu trouver de la ressource en Afrique pour pouvoir redécoller, si je peux dire. Et donc, on voit aujourd'hui qu'il y a eu des initiatives. On parle aujourd'hui des initiatives qui sont des aides venant de la Chine et d'autres pays, mais il y a eu des initiatives africaines, africaines, si je peux dire, qui sont très importantes. J'ai pu voir qu'au Congo, Brazzaville, il y a eu des portiques de désinfection qui ont été des prototypes qui ont été fabriqués et aussi beaucoup d'autres actions, comme on a vu, des universités qui se sont mises à fabriquer des masques comme au Togo, du gel hydroalcoolique. Et donc l'Afrique a démontré sa capacité lorsqu'elle est donc elle n'avait pas besoin de ses aides extérieures. Il aurait mieux valu qu'elle ne les ait pas pour démontrer son autonomie. Ben non, comme Cécile a dit tout à l'heure, il faut aussi maintenir cette solidarité. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas être isolée du reste du monde. On est à l'ère du numérique, de la globalisation. Est-ce que ce n'est pas encore une énième ingérence? Quand on voit les Chinois, est-ce qu'ils n'ont pas un agenda derrière? Quand on voit les propositions diverses et variées d'initiatives, quel est le ressenti pour vous de ces initiatives immédiates et quasi non sollicitées, hein? Personne n'a rien demandé. Quoi que bon, sur la gestion de la dette, c'était une initiative de Macky Sall, qui au départ en a parlé en disant on va avoir besoin d'un petit peu de souffle financier. Mais bienvenue, pas bienvenue, Cécile peut-être ouais. Je pense que, alors, on a beau jeu de parler diplomatie du masque et de voir des intentions cachées des Chinois, qui sont d'ailleurs pas si cachées que ça. Hein, tout ce qui s'est fait avec un certain nombre de grands projets d'infrastructures publiques dans un certain nombre de pays africains montre bien que l'objectif des Chinois est très clair, mais on ne peut pas s'exonérer de ça. Enfin, le lien entre l'aide bilatérale française et la fourniture de contrats à des entreprises françaises, ça aussi c'est très documenté. C'est pour ça que, en fait, on peut pas. D'abord, il faut dire que l'aide, ça marche. Le bilan du Fonds mondial, de 20 ans de Fonds mondial, c'est 32 millions de vies sauvées. Donc, effectivement, le terme, et c'est assez facile de dire, pour se désengager, de dire, mais on ne veut pas être dans cette logique, soit post-coloniale, soit d'ingérence, soit misérabiliste. En fait, il faut donc rebâtir une relation d'égalité. Mais rebâtir cette relation d'égalité, ça passe pas par une absence de solidarité. Ça vaut pour les politiques de solidarité au sein d'un pays, ça vaut dans ces échanges-là. On a pris des engagements qu'un pays à part, un peu la Grande-Bretagne, a tenu ce fameux engagement de 0,7%. On a encore beaucoup de chemin à faire on a la démonstration que ça fonctionne. Donc la question est celle à la fois de la redevabilité, mais aussi des modalités de délivrance de cette aide et des budgets qu'on y consacre. Donc oui, bien sûr que l'initiative sur la dette était bonne, mais elle montre à rebours que certains pays ont des montants de services de la dette qui, en proportion de leurs dépenses publics, sont considérables. Donc, c'est difficile de relâtir. Le problème, c'est pas le taux d'intérêt, plutôt que... Le problème, c'est aussi la logique du prêt. C'est la logique du prêt. Il y a un certain nombre... Et les taux d'intérêt qui étouffent. Il y a un certain nombre de financements de ce qu'on appelle l'aide publique au développement, on pourrait s'interroger sur le nom, mais qui doivent être sous forme de dons et qui doivent être gérés par les collectivités locales elles-mêmes, par les pays, par des acteurs privés. On connaît parfois l'incapacité des services locaux à bien gérer. On le sait, dans certains endroits, ça ne marche pas bien. Les projets ne sont pas bien gérés, il y a une sorte d'évaporation, il y a beaucoup de critiques sur cette... C'est pour ça, et pour le coup, Oxfam est très attentif, parce que nous menons aussi des projets sur le terrain, des projets humanitaires, des projets de développement. On essaye de le faire le plus possible et le plus souvent possible, et on va essayer de le faire de plus en plus avec des associations locales. Mais il nous semble qu'il y a un élément fondamental, justement, si on veut travailler sur cette question à la fois de la redevabilité et de l'efficacité, c'est celle de donner du pouvoir aux sociétés civiles.
parce que ce sont elles les principales bénéficiaires, les principales expertes, qui sont capables donc de... Donc pas les pouvoirs publics, alors. Mais justement, la question de la faillite de certains pouvoirs publics, et là je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas parler de réalité africaine. Enfin, il y a des situations qui sont différentes pays par pays, et même au sein des pays. Quand on regarde le Nigeria, la situation est très différente au sein d'un même pays. Et la situation aujourd'hui qui nous préoccupe le plus, c'est celle du Sahel. Parce que si des pays comme le Rwanda, comme le Kenya, sont effectivement dans une organisation différente, toute la bande sahélienne fait l'objet quand même d'une grande source d'inquiétude, parce que se croisent des questions de crise économique, des questions aussi climatiques qui deviennent de plus en plus dramatiques, avec des situations de tension et de violence qui sont très importantes. Donc il faut aussi avoir cette vision différenciée, n'avoir pas une vision continentale, mais je le redis, et je pense que c'est justement à ce moment, et pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure, où il peut y avoir un point d'appui de redémarrage vers un autre modèle de développement, une prise en compte des enjeux, on doit être à la hauteur. Et les pays du Nord, et en particulier la France, doivent être à la hauteur de ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno, Gâteau, là ? C'est vraiment ces pays du Nord qui doivent venir encore et toujours. Les jeunesses disent « Assez, arrêtez avec votre aide, on n'est pas des mendiants, laissez-nous. » Qu'est-ce que vous pensez ? Je voudrais rebondir sur une des clés de ce nouveau modèle de développement. L'Afrique, ce nouveau modèle, ne pourra pas se faire sans un vrai secteur privé qui se développe en Afrique. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Le soutien au secteur privé, des conditions loyales de concurrence par rapport aux activités qu'ils ont aussi. La manière dont les grandes entreprises internationales développent leur activité, tout ça n'est pas neutre. Et je veux militer aussi et redire avec beaucoup de conviction que l'évolution de ce partenariat, elle suppose en particulier des relations équilibrantes au circuit. Orange Afrique est une entité juridique. La réalité d'Orange en Afrique, vous le savez, c'est 22 sociétés d'Orange dans chacun des pays et pilotées au niveau du groupe Orange par quelqu'un issu du continent. C'est ça la réalité vers laquelle il faut aller. Ce sont des sociétés de plein exercice. C'est 18 000 Africains employés pour 50 expatriés sur l'ensemble du continent. Et c'est évidemment des sources de recettes fiscales, tout le monde sait. Oui, mais c'est très important pour ce partenariat équilibré. Développer l'emploi, soutenir des projets qui sont effectivement porteurs de création d'emplois et de richesses pour le secteur privé dans le pays par rapport à d'autres projets où on vient, on fait une opération, on va dire on fait un coup et ensuite on se retire du pays. C'est ces logiques-là qu'il faut pousser, y compris dans l'orientation de l'aide. Donc moi j'insiste beaucoup effectivement pour que l'un des grands enjeux de ce nouveau mode de développement, ce soit l'accompagnement du développement d'un secteur privé africain avec, deuxième composante de ce secteur, qu'on voit dans beaucoup de grands pays, développer notre entreprise, une vision équilibrée de ces partenariats et l'orientation de l'aide en soutien effectivement à ces projets. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la société civile et ses clés, mais c'est vrai qu'aussi qu'en termes d'emploi, toute cette jeunesse, on ne développe pas le secteur privé. Si j'allais dire le secteur public n'apprend pas plus largement à s'appuyer dans la mise en œuvre des grands projets sur un vrai secteur privé, présent sur le continent, bah c'est vrai que quelque part, en termes de création économique et dynamique économique, ce ne sera pas la même histoire qu'on écrira sur le continent. Je vais faire un commentaire à l'issue de mon passé d'humanitaire chez la Seconde la Faim et avant ça dans la bande d'affaires. J'en suis venue après 20 ans, hein, 10 ans de bande d'affaires et 10 ans d'humanitaire, à me dire que la réforme de l'aide, et je partage vraiment ça, c'est d'orienter l'aide dans la dignité, la remise en économie des populations, parce que souvent, dans une catastrophe naturelle, on va apporter de l'aide pour la survie. C'est ça l'humanitaire, c'est sauver l'humain. Mais tout de suite derrière, j'ai envie de dire, mais quasiment une semaine, deux semaines derrière, dans tous les pays africains et non africains, Philippines, Haïti, Bangladesh, etc., vous avez la résilience population qui est quasi immédiate, je suis vivant, je fais tout de suite un petit commerce de thé, je vais être dans la reconstruction, il se trouve que j'ai été menuisier, je vais commencer à avoir une activité, c'est très 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 rapide. Et c'est là où l'aide parfois continue à aider des gens, qui veulent en fait passer le traumatisme de ce qui leur arrive, veulent tout de suite être dans l'activité, ne pas perdre leur savoir-faire et avoir plutôt des soutiens financiers. Donc vous en pensez quoi, vous, Jaco? C'est plutôt l'aide, le secteur privé, l'aide de l'extérieur, l'aide de l'intérieur? Un économiste africain en pense quoi? Voilà, je crois qu'il y a deux dimensions, le court terme et le moyen long terme. À court terme, ce qu'on observe, c'est que, et on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas la crise sanitaire qui aujourd'hui fait parler de l'Afrique. C'est la crise économique. Et quand vous observez le reste du monde, la réponse à la crise économique, c'est à peu près 20% du PIB. En France, c'est clairement 20%, on est autour de 450 milliards en ajoutant les PGE. Voilà. En Afrique, on est en deçà de 5% du PIB.
Donc ça, c'est pour nuancer la question du secteur privé. Ce n'est pas le privé qui gère le coronavirus dans le monde occidental. C'est l'État. La France vient de nationaliser les salaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voir et qui doit nous obliger à construire de vrais États en Afrique, de vrais services publics, des États sociaux, des États stratèges, des États solides. Mais l'État, il n'y a aucune, il n'y a aucun endroit au monde où le secteur privé est le moteur unique du processus de transformation. Et la seconde chose que je voudrais dire, c'est qu'au fond, ce dont nous parlons, ce n'est pas lié au Covid. Le Covid sert peut-être d'accélérateur des processus. Et là, je rejoins Cécile, c'est qu'il nous faut une prospective africaine. Parce que moi, je ne crois pas. L'aide peut contribuer à faciliter les choses. Mais il n'y a aucune société au monde qui se soit développée grâce à l'aide. Alors c'est quoi l'Afrique d'après ? Le développement, c'est un processus endogène. Moi, je pense qu'il y a trois choses. La première, c'est vraiment retrouver la souveraineté économique, le budget et la monnaie. On voit bien qu'aujourd'hui, une des difficultés que nous avons en Afrique, c'est que nous n'avons pas de marge de manœuvre. La deuxième chose, c'est le retour des circuits courts. On a vu au niveau des confinements que le fait de pouvoir utiliser la petite agriculture périurbaine, le maraîchage, le fait qu'on puisse alimenter les populations, mais tout près des zones d'habitation, c'est quelque chose de fondamental. Et puis la troisième chose qui est la plus ambitieuse, c'est réussir une industrialisation propre. Quelque chose qui ne va pas être l'industrialisation du 19e siècle. Bien sûr. Quelque chose qui ne va pas être seulement l'hôte pour les TPE et PME, mais quelque chose qui va permettre de construire ce que moi j'appelle une trajectoire technologique. Parce qu'une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement d'initiatives très intéressantes, mais on ne voit pas de systèmes nationaux ou régionaux d'innovation et de recherche. C'est là où l'État est également absent. Il n'y a pas de développement sans processus de transformation. Et je crois, pour finir, hein, pour ne pas être trop bavard, que justement ce qui se joue à l'heure actuelle, c'est la capacité de l'Afrique à changer son propre logiciel, à avoir confiance en elle et à arriver petit à petit à partager sa vision du développement, sa manière de s'insérer dans le reste du monde. On a l'idée avec la route de la soie. On a le narratif chinois. C'est très clair. C'est évident. On a le narratif marocain, par exemple. L'avenir du Maroc, c'est l'Afrique subsaharienne. Oui, ils se sont retournés, ils ont fait. Voilà, ça, c'est le résultat de la prospective L'Égypte marocaine. L'Égypte commence à faire cette bascule par rapport au Moyen-Orient. Je pense que la Maghreb qui fait cette bascule. Tout à fait. L'intégration africaine, panafricaine, la zone de libre-échange. Il y a quand même des tendances géopolitiques fortes qui vont dans ce sens-là. Mais il ne faut pas que ça soit tiré par l'extérieur. Non. En fait, c'est ça. Moi, mon obsession, c'est que le développement, c'est un processus endogène. Les Africains doivent construire leur façon d'être au monde et mettre ça en discussion, en débat avec le reste du monde. Et on apprend. Enfin, je veux dire, oui, justement, dans cette logique d'aide et de solidarité, soutenir un certain nombre de projets d'agroécologie, par exemple, qui sont portés par des acteurs locaux, mais qui ont besoin de l'amorçage, comme on dirait, pour une entreprise privée, ça peut ensuite apporter des réponses qui sont des réponses pertinentes, y compris pour nous. Et je pense que la question, c'est justement, et là je rejoins totalement ce que vient de dire Gakko, comment on pense notre avenir ? Parce qu'en fait, et c'est là où les choses sont très différentes, justement, on a pu avoir des visions continentales jusqu'à ce siècle, avec des relations parfois très déséquilibrées, avec des tentations de protection, avec des guerres. L'enjeu qui est devant nous, c'est l'enjeu climatique, et l'enjeu climatique, il est planétaire. Quand je dis il est planétaire, c'est que même si un pays est exemplaire, il n'échappera pas aux conséquences du dérèglement climatique. Et qu'aujourd'hui, ceux qui sont les plus faiblement émetteurs, donc qui ont un modèle, on va dire, plutôt vertueux,
sont ceux qui vivent les conséquences. Je parlais tout à l'heure du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est déjà le cas. Et eux pensent évidemment à cette question de la résilience, puisqu'ils sont confrontés à ces conséquences. Donc on a la responsabilité ensemble de bâtir ce nouveau modèle. Donc tout le débat, j'allais le qualifier d'ésotérique, de est-ce qu'on va exporter notre modèle ou pas exporter comme s'il était bon. Enfin, on a vu la vulnérabilité dans laquelle nous étions aujourd'hui. On parlait des sociétés, d'un certain nombre de sociétés africaines qui ont une grande capacité de résilience et de résistance face à l'épidémie, bien supérieure à la nôtre. Bien supérieure à la nôtre par une habitude. Et effectivement, par cette question de la pratique et de l'information, il y a beaucoup d'activistes et de jeunes activistes très familiers du numérique et de l'outil téléphone qui ont créé. Voilà. Et donc les solutions, elles existent et on a autant à en apprendre. C'est pour ça que je parlais de solidarité. Après, la solidarité, elle peut passer par des transferts monétaires qui sont, de mon point de vue, justes. Il ne s'agit pas de... Mais en revanche, là où je suis d'accord quand vous parlez de la résistance d'une partie de la jeunesse, c'est de ne pas dire « nous, on sait et vous allez faire comme on dit ». Parce qu'aujourd'hui, on a plutôt des leçons à recevoir que des leçons à donner. Mais on a une responsabilité de pouvoir, de temps en temps, dans ces échanges-là, travailler. Enfin, les agronomes qui travaillent aujourd'hui, ils échangent sur les types de pratiques agronomiques, puisqu'on n'est plus dans la logique uniquement la logique sur la question des gènes végétaux ou sur la question chimique, mais comment on arrive à s'adapter à une évolution du climat, à moins d'eau, quelle méthode d'irrigation, etc. Et sur tous ces sujets-là, effectivement, ce dialogue, il est source de... Il est fructueux pour une grande partie des populations africaines, mais pour nous également. Mais pour vous répondre, ce que ça peut être l'aide, pour répondre aussi très concrètement, c'est amorcer, par exemple, pendant de longues années, vous le savez, les ONG apportaient de la nourriture. De plus en plus, et Oxfam ne le fait plus depuis longtemps, nous fournissons les moyens aux populations qui sont en situation de grande vulnérabilité. Quel est le problème africain? C'est ne me donne pas le poisson, mais oui, on l'a pêché. C'est pas que ça. C'est pas que ça, c'est recréer un marché. C'est chinois, non. Pourtant, c'est la sagesse africaine. C'est recréer un marché, c'est-à-dire donner aux populations, même en situation de réfugiés, même déplacés, de recréer un lieu de vie. Alors c'est un chantier qui est un chantier énorme, hein, de justement couper cette césure entre l'humanitaire et le développement, et de pouvoir travailler de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus respectueuse avec les populations locales. Alors pour revenir un peu sur les diasporas, quel rôle comment ont-elles déjà vécu ce moment par rapport à ce qui se passait parfois dans leur pays d'origine? Il y avait aussi le point de ne plus pouvoir nécessairement faire des transferts monétaires vers les pays faute de revenus dans son pays d'accueil, dans les cas des Africains, et puis son pays tout court dans les franco-africains, cas des franco-africains. Ces transferts monétaires pouvaient parfois ne plus faire. En tout cas, le résultat était là, ça a été une chute très importante de ces transferts. Premièrement, comment elles l'ont vécu, et deux, comment elles se voient dans cette construction de l'Afrique d'après? Est-ce qu'elles sont, elles se sentent partie prenante de cela ou pas, selon le cas? Déjà, les diasporas faisaient déjà beaucoup de transferts avant le Covid vers les pays d'Afrique. 2019, c'était 86 milliards de transferts de fonds, de dollars, hein, de fonds vers l'Afrique. Et le Covid a freiné effectivement ces transferts. Généralement, c'est des transferts pour des besoins de première nécessité, manger, payer son loyer. Et donc, il n'y a pas vraiment d'investissement en termes de production de richesses ou de valeur. Et effectivement, la crise de la Covid a bloqué ces flux. D'abord parce que ici en Europe ou dans les pays européens, il y a eu ce confinement, ce qui a empêché justement certains de pouvoir faire ces transferts. Et aussi, la plupart des Africains qui étaient bénéficiaires de ces aides n'ont pas pu, pour certains, se déplacer, parce que encore aujourd'hui, il faut aller à un guichet pour retirer de l'argent en espèces. Mais c'est une responsabilité qui incombe, d'après moi, au diaspora. Une responsabilité dans le sens où aujourd'hui, si les diasporas veulent être utiles dans le développement du continent, il faut que les diasporas des pays d'Afrique se donnent la responsabilité
d'y participer. Ce ne doit plus être tout simplement des transferts pour l'alimentaire, mais des transferts pour investir aussi dans des secteurs d'activité qui produisent de la valeur, des richesses et qui créent également des emplois. Et Patrice, est-ce qu'on ne met pas un peu trop sur les épaules de cette diaspora qui parfois est une diaspora africaine de deuxième, troisième génération, totalement français jusqu'au bout des ongles, se préoccupant pas nécessairement de ce qui se passe dans leur pays, mais plus de ce qui se passe dans leur carrière? Je dis ça parce que c'est pareil, on parle des Afriques ou de l'Europe de manière généralisée, mais les diasporas, il y en a certaines qui vivent leur vie ici. Et, on en parlait voilà. Tout à l'heure avec Marie-France. Est-ce que c'est pas trop leur demander que leur dire c'est votre devoir, alors, vous devez faire, ce n'est faire pas ça, leur... retourner au pays, faudra effectivement pas leur mettre un joug sur les épaules, mais aujourd'hui, moi, dans mes rencontres que je fais souvent lors de forums avec les diasporas, on voit beaucoup de binationaux qui se demandent comment est-ce que je peux être utile au développement du continent tout en restant ici. Ce n'est pas toujours l'envie de rentrer, s'installer. Et donc, je crois qu'il faut encourager plutôt cette catégorie de la diaspora qui veut investir en Afrique tout en continuant sa vie ici, leur trouver les moyens d'assurer aussi leur investissement là-bas, de garantir leur investissement. Parce qu'il y a le climat des affaires en Afrique qui généralement... comporte du risque. Voilà, comporte du risque. Et donc, ils sont parfois très hésitants. Mais si on arrive à organiser une structure qui permette aux diasporas de pouvoir investir et d'être sécurisés dans leur investissement, je pense qu'on aura beaucoup plus de volonté, beaucoup plus de manifestations. Alors là, toujours une petite question pour un petit peu réveiller Gringo, là, qui va, voilà. Le franc CFA, quand on est un investisseur franco-africain et qu'on investit dans un pays, là au moins ils vont être en situation, parce que avec le franc CFA et la conversion garantie avec l'euro, au moins l'investissement, il est garanti au moins sur sa valeur monétaire. Mais si on donne la pleine flexibilité avec le flottement de la monnaie, il va y avoir la planche à billets dans certains cas, et c'est normal, pour favoriser les exportations. Dans ces cas-là, ça va être la perte potentielle de l'investissement de cette personne. Stéphanie, je... Voilà. C'était une provocation. Non, mais... non, je crois que tu le... Voilà, je crois que c'est la partie mineure quasiment. Le souci qu'on a avec le CFA, il est de deux ordres. C'est le financement du marché intérieur. On l'a dit tout à l'heure, on est 1 milliard, on va être 2 milliards 5 bientôt. Il faut financer le marché intérieur africain. Donc il faut que nos jeunes, les TPE, les PME, puissent accéder au crédit à des taux d'intérêt acceptables. Mais aujourd'hui, les taux sont de deux chiffres. Hein. En France CFA? Ah oui, vous n'empruntez pas dans un pays de la zone franc en deçà de 10% de taux d'intérêt. Oui. En monnaie locale, moi qui ai vécu en Ouganda, c'est 25%. Oui. Le franc burundais, n'en parlons même pas. Oui, mais vous raisonnez... Le franc éthiopien, n'en parlons même pas. Mais les vous raisonnez... Les monnaies locales qui vous raisonnez, ont perdu Stéphanie. Leur valeur complète avec du marché noir à côté à 3, 4, 5 fois la valeur officielle. Mais Stéphanie, vous raisonnez en termes nominal. C'est-à-dire que ce sont des pays où vous avez des taux d'inflation élevés aussi. Dans la zone franc, la spécificité, c'est qu'on a des taux d'intérêt élevés, mais on a un taux d'inflation proche de zéro. Donc les taux d'intérêt réels sont à deux chiffres. Ça, c'est le risque du projet, c'est le risque de l'emprunteur. C'est ça. Et le second aspect, c'est la compétitivité à l'export. Comment voulez-vous être compétitif avec une monnaie rattachée à l'euro? Alors que l'euro, c'est une des monnaies les plus fortes au monde. C'est le drame de certains pays européens aussi. Et ça, c'est toujours le dilemme économique de la monnaie forte, la monnaie faible, les importations, les exportations. Mais aujourd'hui, l'Afrique dépend, et c'est le cas aujourd'hui, largement des importations. Et c'est en ça que c'est intéressant d'avoir une monnaie forte. Oui, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que quel est le principal enjeu de la transformation en Afrique aujourd'hui? C'est de sortir d'une économie de rente pour être dans une économie... transformation. Voilà, monétaire de production. Parce que ce contre quoi nous nous battons, c'est contre les rentes, les élites. Moi, j'ai toujours parlé de servitude volontaire. Parce que ce système d'extraversion
réelles, monétaires et intellectuelles, enfin, c'est d'abord les élites africaines qui en bénéficient. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment faire pour que cette forte demande d'émancipation que nous voyons au niveau de la jeunesse africaine puisse être quelque part satisfaite, mais pas avec des solutions populistes, mais dans cette co-construction que nous espérons symétrique. Parce que même la colonisation, c'était une co-construction, mais elle était asymétrique. Et je crois que ce qui se joue aujourd'hui à la faveur de cette crise, c'est la capacité de reconnaître finalement l'unicité de notre destinée. Et c'est pour ça que sur la question des transferts des migrants, je rejoins Cécile. La solidarité, elle doit transcender la couleur de peau et même les origines des uns et des autres. Il faudrait qu'un Français d'Auvergne puisse être fait. Aussi... Il le fait, il est donateur. Exactement. Il est donateur, c'est ça. Il l'est. Voilà. Et c'est là où on rejoint l'intitulé de notre session. Si le regard a changé, je crois que ce qui change aujourd'hui, c'est la reconnaissance d'une communauté de destin. Oui. Et moi, j'ai quand même, je veux juste dire un élément d'actualité là-dessus. Effectivement, Oxfam, c'est une ONG historiquement Oxfam France de solidarité internationale. Et donc, on a eu quelques inquiétudes au moment du début du confinement, en sachant les besoins qui allaient être très importants dans les pays où on travaillait, notamment en Afrique, et en ayant la crainte que les populations, que la population française se replie craintive. Et ce que je peux dire au bout de moi, c'est que non seulement les dons n'ont pas baissé, mais que l'appel à dons qu'on a lancé sur les projets Covid, en particulier en Afrique, puisqu'on avait déjà des projets liés aux épidémies et liés à Ebola, ont battu les records de collecte d'urgence que nous connaissions en Oxfam France, et que nous sommes à plus de 110% les deux derniers mois de nos objectifs en matière de collecte. C'est donc qu'il y a eu cette inversion. Alors, c'est à l'échelle d'une ONG comme la nôtre, etc. Mais quand même, le signal, c'est qu'il y a eu ce sentiment de solidarité avec d'autres populations, alors même qu'on était confronté à la crise que l'on connaît. Donc, je suis complètement d'accord, cette solidarité, elle n'est pas parce qu'on se connaît a priori, elle est parce qu'on a des valeurs en commun. Et ces valeurs en commun, c'est qu'on résistera mieux aux crises auxquelles ensemble. On fait face et à l'avenir ensemble. Et sur cette question d'épidémie, on voit bien que c'est d'ailleurs pas une épidémie, mais une pandémie, à quel point ce qui se passe en Chine, qui nous semblait très très loin, mais même en Italie, hein, c'était là-bas au sud, finalement c'est chez nous, et c'est tout aussi chez nous quand ça arrive maintenant à Lagos, à Dakar, ou communauté de destin climatique, communauté de destin sanitaire, Marie-France, quelle réflexion ça vous appelle sur cette position de la diaspora dans cette construction africaine? Est-ce qu'il y a un devoir plus pressant des diasporas africaines à construire cette Afrique, ou bien y aurait-il autant finalement de solidarité à avoir en tant que franco-africain, en tant que non-franco-africain français, comme vous disiez, d'origine franco-française? Alors bon, c'est vrai que le fait d'avoir des origines, voire de la famille, des proches en Afrique, forcément on se sent plus concerné qu'un Français qui n'aura aucun lien familial ou d'origine avec le continent. Après, s'agissant de la diaspora, il y a plusieurs choses. La diaspora, c'est assez vague. La diaspora africaine, on ne sait pas très bien ce que ça regroupe. C'est pas organisé, c'est pas structuré comme d'autres populations. Mais est-ce que le sommet Afrique France, j'ai commencé à regarder le nombre d'organisations africaines en France. C'est un annuaire de 50 cm d'épaisseur, dont la moitié sont une personne qui s'est enregistrée, etc. Et certaines, en revanche, sont plus emblématiques. Je connais bien sûr le Club Efficience, la French African Foundation et d'autres réseaux qui sont vraiment puissants. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de diversité. Donc déjà, il y a une disparité, il y a une déperdition, en fait, de ce qui pourrait être fait ensemble. Ensuite, en fonction qu'on soit de première, deuxième, troisième génération, on n'a pas du tout non plus le même lien. C'est vrai que les enfants qui sont nés ici et qui vont une fois par an, une fois tous les deux ans en Afrique, c'est des tontons, des tantis assez lointains. Ils se sentent proches du continent, mais honnêtement, leur implication, elle est quand même moindre. Et ils se sentent moins dans l'obligation en plus de reverser les tontines que leurs parents ou leurs grands-parents qui, eux, faisaient vivre la communauté. Je parle vraiment avec mes amis aussi. Sur le continent. Les de Patrice sont des personnes qui ont des attaches africaines. Et donc, voilà. En plus, en temps de crise, avec des avenirs incertains,
c'est difficile de continuer à aider, même quand ça fait partie de la famille. Et puis ils ne veulent plus parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils donnent de l'argent et que ce n'est pas productif. Il n'y a pas de pérennisation de cet investissement ponctuel. Oui, c'est pour régler les problèmes de l'immédiat, mais pas forcément d'investir dans une activité économique. Alors que je pense quand même que la diaspora, juste un mot, a une vraie responsabilité dans le développement et la structuration des chaînes de valeur sur le continent. Mais je pense qu'il y a encore... la diaspora, je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment prête à rentrer aujourd'hui, parce que pour ces gens de la troisième génération, ils se sentent africains, mais peut-être plus français qu'africains, oui, c'est au bout du compte. Et ils n'ont pas forcément envie de tout laisser. Alors, j'ai évoqué ça avec une personne d'origine africaine qui me disait, il y a peut-être un dispositif à inventer, il paraît qu'il existe plus ou moins, mais je ne suis pas forcément sûre qu'il soit totalement connu. Ce serait de dire, imaginons, bon, je veux bien tenter ma chance un an ou deux à monter une entreprise dans le pays où j'ai de la famille, etc. Mais un peu comme un congé sabbatique, un congé solidaire qui existe déjà, je veux la garantie de retrouver mon travail quand je rentre pour ne pas partir, ensuite je reviens, j'ai plus rien. Je veux un accompagnement financier, peut-être une amorce à mon activité, je monte un billet. Est-ce que vous pensez que ça peut trouver un écho? On a des schémas d'accompagnement de deux types de profils. D'abord, c'est vrai globalement ce qui est dit, à l'inverse, ne sous-estimons pas la volonté d'une partie des personnes issues de la diaspora, y compris de la deuxième, troisième génération, d'apporter leur contribution, y compris en termes d'innovation, de produits, etc. Et nous, tous les jours, dans les Orange Digital Adventure, on accompagne effectivement ces projets dans les continents qui sont assez fantastiques. C'est des projets effectivement de circuit court, c'est des projets de créativité qui font, par exemple, c'est un jeune de la diaspora qui a mis en place une innovation qui permet, via le mobile, de déclencher à distance l'irrigation des sols, de surveiller, etc., qui permet aux éleveurs de disposer d'informations sur où sont les cheptels grâce au mobile pour ne pas aller là où les troupeaux sont déjà très concentrés. Donc ne sous-estimons pas ce qu'aujourd'hui l'apport de la diaspora formée dans les meilleures écoles, j'allais dire, et leur centre d'intérêt. Le deuxième enjeu, c'est tous ces jeunes diplômés qui sortent, effectivement, qui ont fait un investissement personnel important. Et j'allais dire, à la rage d'Orange, il faut bien se dire les choses, vous voyez systématiquement récupérés par Google ou autre, qui s'intéressent évidemment à ce qui se passe sur le continent, dont ils n'ont pas encore trouvé les clés du développement, soit dit en passant, et qu'on n'arrivait plus, nous, à attirer dans Orange Mali, Orange La Sonatelle, Orange Côte d'Ivoire, etc. Et donc, on a mis un process très simple. C'est vrai que quand ils sortent des écoles, j'allais dire, ils ont envie de valoriser l'investissement qu'ils ont fait. Et qui pourrait le leur reprocher? Et donc, on les prend dans les équipes d'Orange, plutôt au niveau du groupe, dans nos laboratoires, dans nos centres d'innovation, dans nos équipes, etc. Et passer une phase d'apprentissage, à l'école, effectivement, dès qu'on les réinjecte à leur demande, à leur souhait, dans les comités de direction des entreprises, à des niveaux de rémunération qui permettent de consacrer l'investissement qu'ils ont fait. Parce que c'est bien beau de dire le jeune du retour, mais le jeune qui a investi, qui s'est formé, il est extrêmement difficile de retrouver à la sortie de l'école des emplois qui correspondent à sa qualification sur place. Donc, quand je parle de la chaîne qui permet de remobiliser toute cette jeunesse, de la réinvestir, elle est disponible, elle n'est pas indifférente, tant s'en faut, à ce qui se passe sur le continent. C'est vrai qu'elle est plus distanciée financièrement peut-être que la génération qui l'a précédée, mais offrons-lui, ça fait partie des responsabilités des grands groupes, présents en Afrique, des possibilités, des schémas, des chemins qui leur permettent soit d'avoir développé des projets sur place, moyennant des financements, et encore une fois, ne sous-estimons pas ce que l'innovation et les start-up apportent aujourd'hui dans le développement de l'Afrique, ou offrons-leur des parcours qui conjuguent, j'allais dire, et qui leur permettent à terme de réintégrer dans des bonnes conditions de sécurité les structures sur le pays. Alors on va rester ensemble. Bruno, je vais vous poser une sorte de question piège. On va prendre une boule de cristal et on va se dire l'Afrique dans 30 ans. L'Afrique dans 30 ans, l'Afrique dans 20 ans. La date que vous voulez, mais l'Afrique vraiment d'après, mais dans longtemps. Pas l'Afrique de 2000, même la vision 2040 ou 2063 de l'Union africaine. L'Afrique, vraiment, de demain, elle sera comment? Alors, est-ce qu'elle sera cette Afrique digitale, connectée? Est-ce qu'elle sera l'avant-garde de tout ce qui se fait dans le numérique, Bruno? Quelle sera cette Afrique de plus tard? Quelle sera la place de l'Afrique dans le nouvel ordre mondial qui ne cesse de changer, et surtout en ce moment? Si on doit se projeter, elle ressemblera à quoi, cette Afrique? Je sais qu'il y a les Afriques, mais on peut dire l'Europe. Souvent, je fais cette comparaison. Pourtant, on a plein de pays très différents au sein de l'Europe. Mais l'Afrique, un peu dans son ensemble, avec son intégration panafricaine, elle sera quoi? Autorisons-nous d'abord ce terme d'Afrique, même si la réalité, c'est effectivement les Afriques. Elle aura accueilli l'équivalent de la totalité de la population du continent européen. C'est ça la réalité démographique de l'Afrique. C'est-à-dire, si je me projette en 2050, si je me projette un peu loin, la croissance démographique de l'Afrique représente la totalité de la population
J'espère que les Africains pourront répondre à cette question aussi. Non, mais je... Non, mais parce que la nouvelle Afrique qu'on veut construire... Ça veut dire que le défi qui est devant elle, il est considérable. Le deuxième message, c'est en matière... Tour de table. Le deuxième message, c'est en matière d'éducation. Je vais m'en assurer. C'est un exemple sur lequel j'insiste beaucoup, parce que c'est vrai que si on ne repense pas le schéma d'éducation, la réalité de la croissance africaine chaque année fait qu'on inscrit la baisse du taux de scolarisation dans les schémas classiques, une classe, un enfant. Quand on voit le taux de progression démographique, on inscrit la baisse du taux de scolarisation. Alors, qui c'est déjà très insuffisant. 2 milliards d'habitants, mais sans éducation ? Non, bah non, surtout pas. Mais je dis simplement que le mode traditionnel d'éducation, donc il faut réinventer les modèles d'éducation. Et quand on regarde en matière d'énergie, en matière d'agriculture, en matière de santé, en matière d'éducation, cette Afrique-là, pour relever le défi considérable qui est devant elle, elle doit évidemment repenser complètement par rapport au schéma traditionnel, souvent venu d'Europe. Et c'est là que l'enjeu du numérique est important. C'est tout le message que l'on porte, parce que tous les jours, on voit ces innovations, on voit cette créativité, on voit ces changements. On en mesure souvent qu'ils sont nés en Afrique, je pense à ce qui s'est passé par le mobile payment. Pas d'agence bancaire, parce que pas de modèle économique pertinent. Résultat, les Africains sont bien plus avancés que nous dans l'utilisation du mobile pour l'ensemble des transactions et des pays. Donc on voit bien que ce qui s'est passé dans les logiques de bancarisation, qui est quand même un élément important, sortir de la logique du cash pour développer économiquement le pays, c'est quand même indispensable pour développer l'économie. On voit bien que ce qui a commencé à travers le mobile payment, je me permets de le dire, à l'initiative du secteur privé, c'est au Kenya que ça a effectivement démarré, cette logique-là, notre sentiment au fond, c'est qu'il doit évidemment inspirer en matière de e-santé. Il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, parce qu'il n'y a pas tous les legacy, tous les freins qu'on peut connaître en Europe sur le développement de ces nouveaux usages, de ces nouvelles facilités. C'est évidemment le cas de l'agriculture. L'énergie. Il y a quand même aujourd'hui 500 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie. On voit bien que le système traditionnel d'énergie et de distribution ne permet pas de répondre. Donc il faut les nouveaux systèmes solaires. Et là, on retrouve cette logique de développement durable, de nouveaux modes d'énergie, pour pouvoir y répondre, à des coûts qui aujourd'hui apparaissent beaucoup plus accessibles, pour 150 à 200 dollars à Madagascar. J'ai eu l'occasion d'accompagner le président de Madagascar qui installait des kits solaires. On voit bien comment 5 kits solaires pour quelques centaines de dollars changent la vie d'un village qui n'avait aucune chance de voir arriver un jour d'énergie. On peut multiplier les exemples. Une partie de l'avenir, c'est vrai pour tout, pour l'éducation, une partie de la réponse à cet énorme défi sur lequel je démarrais mon propos, c'est évidemment à travers le numérique. Penser dans un schéma africain, penser dans le cadre d'une innovation africaine, mais c'est vrai, pour moi, c'est une des clés du développement. Alors, je ne suis pas dans la macroéconomie, j'en conviens, je ne suis pas sur les enjeux monétaires, je ne suis pas sur l'enjeu du CFA, je suis sur comment, concrètement, on va répondre à des besoins rapidement, qui sont une partie de la réponse, notamment en matière d'éducation, qui, on le sait, la clé. Ça suppose, et je termine par ça, un dernier élément, pardonnez-moi, c'est de développer les compétences en matière numérique sur le continent africain. Ce qui ne serait pas acceptable, c'est qu'on reproduise le schéma des précédentes réformes industrielles, révolution industrielle, dans lequel, j'allais dire, c'est ailleurs qu'on a conçu des schémas et avec des innovations qui arrivent clés en main sur le continent africain. C'est pour ça que former des codeurs sur le continent, en Afrique, c'est essentiel. Former des data scientists, ce que nous faisons à Yamoussoukro, puisque la première promotion de data scientists 100% africain, financée par Polytechnique et par Orange, est sortie, j'allais dire. Et ça, c'est les clés pour moi de permettre le développement numérique de l'Afrique. Donc voilà déjà une première vision, Marie-France. L'innovation existe déjà, encore faut-il que les Africains restent propriétaires de leur création. Absolument. C'est le cas de M-Pesa au Kenya, dont on parle très très souvent. L'Afrique dans 30 ans, 50 ans, elle sera comment? Là on a une version qui est attractive. Si on résiste au Covid, on sera... Ça sera admettons que ça... Oui. Mais je... Dans 50 ans, c'est difficile à dire. Je pense qu'il y aura des gros défis, notamment dans l'océan Indien. Vous parlez de Madagascar ou des Comores. C'est des pays qui sont menacés par la montée des eaux, le Sahel, la sécheresse. Gros défis à venir. Je pense que d'ici quelques décennies, l'Afrique, en tout cas je l'espère, aura sa voix dans le concert des nations. Peut-être on peut rêver un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France en tout cas est pour, mais après il faut voir qui, comment, etc. Ça paraît, à mon sens, évident. Je pense que d'ici quelques dizaines d'années, il ne faut pas exagérer non. L'Afrique aura sa voix et ne sera plus derrière tel ou tel acteur international. Et puis il y a de l'espoir, de l'unité de cette voix africaine. Moi j'étais au sommet de l'Union africaine à Niamey, présidence du président Sisi.
Donc c'est cette Afrique arabe qui vraiment s'intéresse de plus en plus, et c'est très très important, à l'Afrique subsaharienne, dite africaine, si je schématise. Et effectivement, de voir cette volonté totalement intégrée de l'Afrique d'aller de l'avant sur la zone de libre-échange, mais pas que, avec toutes sortes d'autres dispositifs, donne à mon avis énormément d'espoir sur cette voie. Alors elle ne sera jamais unique. Prenez ou ne prenez pas l'exemple de l'Europe, en tous les cas prenez-en les enseignements. C'est toujours très instructif de voir comment des dizaines de nations arrivent ou n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais ce sera sans doute essentiel. Patrice, peut-être une boule de cristal, ça ressemble à quoi ? Dans une trentaine d'années, déjà, moi je dis qu'il faut accompagner les initiatives locales africaines qu'on voit aujourd'hui émerger et qui ont été révélées pendant cette période de Covid, déjà les valoriser, les mettre en avant et leur permettre justement de trouver en face des investisseurs, des personnes qui peuvent encourager ces initiatives à être développées, que ça crée de l'emploi, que les richesses soient créées au niveau local grâce à ces initiatives. Et bien sûr, il y a la question de la formation, de l'éducation et de la formation en adéquation avec... Ça, c'est ce qu'il faut faire, mais pour aller où ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, et donc, dans une trentaine d'années, moi, je vois une Afrique très dynamique, comme elle l'est déjà aujourd'hui, mais avec une capacité d'absorption de ce développement qui arrive, dont tout le monde parle, mais surtout d'une Afrique qui gère, on va dire, elle-même de façon autonome, bien sûr avec toujours le lien avec le Nord et le Sud, mais qui gère de façon autonome ses richesses et qui devient même exportatrice de compétences. C'est cette Afrique-là que je vois si aujourd'hui on crée les conditions pour que cette jeunesse que certains craignent comme étant un inconvénient, moi j'appelle ça plutôt une chance pour l'Afrique, qu'il y ait autant de jeunes qui soient dynamiques et qui acquièrent les compétences pour pouvoir justement accompagner le développement du continent. Donc je vois plutôt une Afrique qui, comme disait Marie-France dans son vœu, joue dans le concert des nations. Grandes nations. On va laisser Cécile et conclure sur la voie africaine, bien évidemment. D'abord, moi, ce que je veux dire, c'est que dans 30 ans, c'est 2050. Donc 2050, si on regarde les dernières simulations qui viennent d'être publiées par les experts, c'est une Afrique sur une planète à plus 2, plus 3, voire plus 5 degrés. Donc il faut quand même se dire que c'est des terriens, comme nous, donc nous tous, face à un défi que l'être humain n'a jamais eu à remplir, c'est-à-dire celui de conserver une planète vivable. Et donc je pense qu'il faut quand même se dire que cet enjeu-là, il va peser sur tout le monde. Donc croire qu'on va pouvoir continuer comme on a continué, se dire il y a tel ou tel ou tel chemin, non, on va être dans une équation très différente. Et donc, et ça me permettra de renvoyer la parole à Kako, je pense que ce sera sûrement un continent qui nous donnera des leçons, c'est-à-dire qui dira, ben nous en fait, on tire les leçons de la situation dans laquelle vous vous trouvez, 10%, les 10% les plus riches aujourd'hui émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on pense peu quand on a le débat sur la démographie notamment, et donc c'est en Afrique que va s'inventer, et par les Africains eux-mêmes, cet autre modèle qui sera le modèle qui sera notre salut et qui nous permettra un modèle de résilience. C'est pas mon souhait ou ma perspective, c'est mon espoir. Nous sommes tellement englués dans notre propre modèle que je pense que nous avons beaucoup de difficultés à nous sortir des rails. Et que donc j'espère, et en tout cas c'est un moyen de renvoyer la balle, que viendra notre nouveau modèle collectif, de société, de consommation, de vivre la planète, D'une manière compatible avec le climat qui est lui-même, qui tolère l'espèce humaine. Kako, le mot de la fin. Moi je vois quatre grands défis. Le défi écologique, Cécile vient d'en parler. Il faut savoir que le Sud Togo perd 5 à 10 mètres chaque année du fait de l'avancée de l'océan Atlantique sur les terres, et que alors même que 40% de la population togolaise vit dans la région maritime, qui ne représente que 10% de la superficie togolaise, donc on voit tout de suite l'urgence climatique. C'est quelque chose qui n'est absolument pas abstrait.
Parce qu'on entend quelquefois des discours comme quoi ce serait une question de riches. Non, moi j'insiste sur le fait que cette urgence climatique, elle est là, il faut absolument qu'on la gère. Ensuite, le défi démographique. Une population qui double tous les 25 ans induit une forte demande en matière d'éducation, de santé, de formation et d'emploi. Nous avons 15 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Donc nous attendons 600 millions sur les 40 prochaines années. Donc c'est le défi démographique, il est là aussi. C'est quelque chose qui me paraît important. Défi climatique, défi démographique. Défi démographique, c'est pour ça que je dis qu'il faut passer d'une démographie subie à une démographie choisie. Ça me paraît fondamental, quelque part. Avec l'éducation des filles, notamment. Voilà. Troisième défi, c'est le défi sécuritaire. Je crois qu'aujourd'hui, on fait face à des groupes armés qui utilisent des rationalités précoloniales dans leur façon de fonctionner. On voit très bien avec Boko Haram, on voit très bien avec ATMI, que les logiques territoriales de ces groupes, ce sont des logiques précoloniales. Et nos États, qui sont des produits de la colonisation, ne sont absolument pas préparés justement pour résoudre ces questions, d'où l'importance de ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'intégration sous-régionale et régionale. Et puis enfin, quatrième et défi le plus important, à mon avis, c'est le défi des inégalités. On voit bien, par exemple, l'Afrique australe, qui a le PIB par habitant le plus important de l'Afrique, hein, 3 331 $. Avec le Nigeria et l'Afrique du Sud. Oui, a un indice d'inégalité de Gini de 52, contre 40 pour le reste du continent. Il y a un vrai enjeu de redistribution de la richesse, un enjeu de répartition de la richesse en Afrique. Ça me paraît important. Que ces défis soient pris en compte, que les mesures soient prises, sans rentrer dans les détails de quoi, ça donne quoi l'Afrique dans 30 ans, dans 40 ans? Oui, moi je crois qu'il y a trois choses à faire d'urgence. Première chose, c'est sortir d'une coopération intergouvernementale classique pour aller vers une coopération multi-acteurs. Il faut que les collectivités territoriales, il faut que les sociétés civiles, il faut que le secteur privé soit dans le jeu. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'espoir par rapport au sommet Afrique-France, parce que c'est sur les villes et les territoires durables. On verra si dans un an le thème va rester le même. En tout cas, ça me paraît fondamental, cette coopération multi-acteurs. Deuxième chose à faire et qui me paraît importante, c'est développer une culture de l'évaluation. En Afrique, c'est très important. Il faut le contrôle citoyen de l'action publique. La gouvernance africaine n'est pas au top. En tout cas, il me semble qu'elle pourrait faire encore plus d'efforts. Puis, troisième chose, sortir de ce que moi j'appelle la superposition des discours. Parce que ce que nous payons tous aujourd'hui en Afrique, comme en France et dans le reste du monde, c'est qu'on a un système néolibéral dont on nous a expliqué pendant 40 ans qu'il allait nous conduire à la prospérité. Et ce système, il s'effondre aujourd'hui. Et en même temps, tout ce qui permet de créer la résilience, donc la production, là, on l'a totalement abandonné. Parce qu'on a pensé que le néo-mercantilisme des émergents n'était absolument pas d'actualité, ni en Afrique, ni en Occident. Et donc, au plan microéconomique, c'est les objectifs du développement durable. Et donc, quand vous observez ces trois niveaux de réflexion, vous voyez qu'il n'y a pas de compatibilité, il n'y a pas de cohérence. Et donc, il n'y a pas de pourquoi. On a besoin de construire, de co-construire tous ensemble de nouvelles politiques publiques. Et ça me paraît fondamental. Si nous voulons sortir de la dictature des urgences et avoir une, ce que moi j'appelle une co-prospérité. Oui, parce que notre avenir, on ne peut pas assigner tout un continent à résidence. Ce n'est pas possible. Mais il faut qu'on construise des ressorts du vivre ensemble, ici et là-bas, qui puissent nous permettre finalement de sortir des débats auxquels on fait face aujourd'hui.
on ne peut pas ignorer tout ce qui s'est passé dans le monde ces 15 derniers jours. Cette population noire qui ne se retrouve nulle part. On a beaucoup parlé des États-Unis, il y a eu beaucoup de manifestations en France, mais moi je dis, il pourrait y avoir beaucoup de manifestations en Afrique aussi. Et donc, il faut absolument que nous puissions construire ensemble quelque chose, pas pour nous, mais pour nos enfants. Merci beaucoup, c'était le mot de la fin. Alors, une planète en commun, un monde en commun, une prospérité en commun, une co-construction de ce nouveau modèle. Alors, merci beaucoup Kako, Nabukpo. À lire l'Urgence africaine si vous voulez en savoir plus sur la pensée de notre honorable ancien ministre économiste togolais. Merci beaucoup. Bruno Metlin, président d'Orange Afrique, merci beaucoup. Booming Africa, vous voulez être convaincu, si vous ne l'êtes pas encore, que l'Afrique de demain sera digitale, encore un livre à parcourir. Merci beaucoup Marie-France Réveillard, si vous voulez la lire, journaliste freelance qui... écrit dans la Tribune Afrique. Merci Patrice Anato, députée Seine-Saint-Denis, La République En Marche. Et merci beaucoup Cécile Duflo, bien sûr, on la connaît très bien, ancienne ministre et directrice générale d'Oxfam. Allez sur le site d'Oxfam pour connaître leurs activités. N'hésitez pas, puisqu'il faut continuer cette générosité à faire des dons à Oxfam et aux autres ONG qui travaillent sur le continent africain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ce moment passé ensemble a été instructif. En tous les cas, on voulait, avec Africa Mutandi, faire parler toutes sortes de voix, avoir des échanges dans un cadre informel pour que ce soit des discussions de personnes engagées. Et j'espère qu'à la fin du fin, on aura peut-être un peu changé ce regard sur l'Afrique. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.